Parce qu'au fur et à mesure de l'élection, on voit que les résultats du Rassemblement national montent. Bien là que la Bretagne a été longtemps préservée de toute une série de maux qui touchaient l'ensemble de la France. Et qu'en l'espace de quelques années, dans beaucoup de villes, la situation s'est dégradée en matière d'immigration clandestine, en matière d'insécurité et puis en matière économique. Alors c'est pas le cas de Saint-Malo qui reste, elle, très préservée, mais il n'y a pas que ces axes-là qui sont des axes de réflexion. Il y a aussi une réflexion sur ce que nous appelons le rééquilibrage saisonnier, hein, parce qu'on parle beaucoup de rééquilibrage territorial entre les grandes villes et les villes moyennes. Et puis, je crois qu'il faut aussi parler pour ces villes qui sont des villes de tourisme, du rééquilibrage saisonnier, ce qui permet aux habitants de pouvoir continuer à vivre dans leur ville. Je connais bien ce problème, moi, qui suis de la Trinité-sur-Mer. Nous avons aussi ces problèmes-là, c'est-à-dire que la pression, si vous voulez, fait que les prix montent et que du coup, les habitants originaires de la ville ont du mal à y rester. Donc, je pense que ça, c'est quand même une municipalité, mais notre candidat, Philippe, vous parlera de tout ça à la conférence de presse. Ouais. Un commentaire quand même sur votre accueil à Brest hier, c'est pas le cas en 2014, vous étiez plutôt bien accueilli en Bretagne. Non, madame, je ne vous permets pas de tirer cette conclusion d'un ramassis de punks à chiens d'extrême gauche qui systématiquement cherche à perturber les manifestations de leurs opposants politiques. Non seulement nous avons eu un très bon accueil à Brest, mais à Brest, nous rentrerons au conseil municipal. J'en suis absolument convaincue. Moi, je suis heureuse de voir que des femmes se lancent dans la bataille municipale. J'étais la semaine dernière au soutien de la candidate de Nantes, Éonore Revel. Hier, encore une femme à Brest qui se lance dans la bagarre municipale. On ne peut que s'en réjouir. Alors, les galères.